Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de Paris Ne Finit Jamais, el festival de literatura hispanoamericana creado desde la capital francesa y con un alcance global. Tras una primera edición tan exitosa como la de 2020, queremos ofrecerles una vez más la bella experiencia de viajar con la literatura, reflexionar y analizar nuestro presente para abrir nuevos horizontes. Procedentes de 12 países diferentes, 30 invitados e invitadas de excelencia, entre los que se cuentan autores y poetas, dibujantes, cineastas e investigadoras, dialogarán sobre el presente y el futuro de las letras hispanas. 12 diálogos que nos llevarán a explorar y ampliar nuestro pensamiento y experiencia estética. El director del festival, Gonzalo Vázquez, y la directora artística, Yolanda Castaño, quieren expresar su agradecimiento a todas las instituciones que patrocinan y colaboran con esta iniciativa y a todas las personas que han contribuido a que este festival sea posible. Aquí comienza la segunda edición de París no se acaba nunca. Bienvenue dans cette deuxième édition de Paris ne finit jamais, le festival de littérature hispano-américaine créé depuis la capitale française à portée mondiale. Après une première édition en 2020 qui a connu un réel succès, nous voulons vous offrir à nouveau la belle expérience de voyager avec la littérature, de réfléchir et d'analyser notre présent pour ouvrir de nouveaux horizons. Nous accueillons 30 invités d'excellence de 12 pays différents. Auteurs, autrices, poètes, dessinateurs, cinéastes et même chercheuses discuteront du présent et de l'avenir de la littérature hispanique. 12 conférences qui nous mèneront à explorer et élargir notre réflexion et nos expériences esthétiques. Le directeur du festival, Gonzalo Vázquez, et la directrice artistique Yolanda Castaño souhaitent exprimer leur gratitude à toutes les institutions qui parrainent et collaborent à cette initiative, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à rendre ce festival possible. À présent, que commence la deuxième édition de Paris ne finit jamais. Leal, el mercado de las pulgas, el de las flores, el de San Juan Rouge, el del Raspail. Los mercados de París hacen que bulla el flujo de pequeños y grandes tesoros. También es importante que funcione el canal de intercambio entre el patrimonio literario de ámbito hispánico y el público lector francés. Por eso hoy analizamos las importaciones a la cultura francesa que implican toda esa traducción y proyección cultural latinoamericana. Lo hacemos de la mano del quebequés Louis Jolicoeur de la Universidad de Laval. Él entrevistará en francés, con subtítulos al español, a dos especialistas en traducción de libros latinoamericanos al francés, Stéphane Chomet, desde Colombia, y René Solís, hoy desde Francia. Tened buen provecho porque a esto venimos, al mercado de los libros, a alimentarnos de historias venidas de otras lenguas. Alors bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté d'animer cette petite table ronde. Alors je me présente, je m'appelle Louis Jolicoeur, j'habite Québec au Canada, je suis moi-même professeur de traduction et traducteur littéraire, de l'espagnol surtout, également de l'anglais, vers le français. J'ai le plaisir d'animer cette table dans le cadre de notre festival Paris ne finit jamais. Ça sonne un peu curieux pour moi en français, Paris non si acaba nunca, ça sonne un peu plus familier, pensant à ce beau roman. Bref, j'ai la chance ici de me retrouver à cette table ronde en compagnie de René Solís, qui est professeur de français au Mexique et journaliste, je traduis de l'espagnol, là, de la section culturelle du journal Libération à Paris, et depuis plus de 30 ans. Il a travaillé beaucoup comme traducteur. Pardon, cette partie-là de mon existence est terminée. Maintenant, je suis terminée, on parle au passé, d'accord. Maintenant, il est essentiellement traducteur et surtout de romancier latino-américain. Il a travaillé notamment les textes de Leonardo Padura, le grand auteur cubain, de Juan Carlos Méndez Guedes, le vénézuélien, et surtout, ce qui m'impressionne et qui va me donner envie de lui poser des questions certainement, Paco Ignacio Taibo Segundo, cet auteur mexicain qui est né en Espagne, si je me souviens bien, mais qui est plus connu comme auteur mexicain, n'est-ce pas? Alors, bonjour René, ce sera un plaisir de vous poser différentes questions. Et bonjour Stéphane Chomet,
qui est né à Dunkerque et qui est poète et traducteur de l'espagnol vers le français également, qui a vécu, je suis assez impressionné, aux États-Unis, au Mexique, en Syrie, en Chine. Je me demande si vous parlez toutes ces langues, on verra ça tout à l'heure. Il est auteur lui-même de recueils de poésie, de romans, de récits. Il est traducteur, évidemment, c'est à ce titre surtout que nous sommes heureux de l'avoir à cette table. Il a traduit de la poésie latino-américaine et espagnole contemporaine. Et puis, il a notamment traduit Leopoldo María Panero, Olvido García Valdés. Et j'ai des questions à vous poser aussi. Vous avez traduit Hilde Domin, qui, si je ne m'abuse, écrit en allemand. Et encore plus étonnant, Foro Farrokhzad, qui, à ma connaissance, écrit en persan. Exactement. Vous nous raconterez ça aussi. Ce n'est pas tout d'avoir vécu en Chine et en Syrie, mais en plus, on traduit de l'allemand et du persan, c'est pas mal. Bref, voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je commencerai peut-être par vous poser, pour satisfaire ma petite curiosité, tiens, je vais quand même commencer par Stéphane et lui demander combien de langues il parle et s'il traduit directement du persan et de l'allemand et de ses autres langues ou s'il passe par d'autres parcours. Enfin, je vous écoute. Non, moi je traduis principalement l'espagnol. Il se trouve que j'ai vécu en Allemagne et que je parle allemand et que j'ai eu... J'ai un rapport un peu compliqué avec l'allemand, mais quand j'ai découvert cette poète, Hilde Domin, c'est une poésie qui m'a tellement touché qu'elle n'était pas traduite en français, donc ce qui m'a donné envie de revenir vers l'allemand et de traduire ce livre. Donc c'était un peu une parenthèse, une exception. Quant à Farrokhzad, non, je ne parle pas le persan, le farsi, mais c'est une expérience que j'ai faite avec une poète persane. On a fait une traduction, c'est une traduction qui est en collaboration. Et puis, c'est ce qui m'a convaincu de faire ça. Je pense vraiment que autant l'écriture, c'est un acte de solitude, mais la traduction, il y a la possibilité, déjà, on n'est pas seul parce qu'il y a un texte, mais aussi, il y a la possibilité de j'aime bien l'idée de pouvoir traduire à plusieurs. Ça, c'est né aussi un petit peu cette idée suite à une expérience un festival à Malte où on avait été invité entre poètes de différentes langues et on s'est mis à se traduire entre nous de langues qu'on ne connaissait pas à travers d'autres textes, à travers la discussion. Et je me suis rendu compte que c'était une expérience intéressante et possible. Donc, dans le cas de Farrokhzad, ça s'est fait en collaboration avec quelqu'un qui était dont c'était la langue maternelle et qui était aussi poète. Je comprends, ouais, c'est une belle expérience de passer par quelqu'un qui travaille avec vous. On fait ça beaucoup dans les centres, on a créé à Québec, dans l'ouest du Canada, à Banff, un centre de traduction littéraire, un peu à l'image de ce qui se fait plus en Europe, à Arles, en Belgique, à Norwich en Angleterre, ou à Tarragona, ou Tarragona plutôt en Espagne. Un centre comme ça où on invitait des écrivains et des traducteurs dans différentes langues, y compris parfois des traducteurs qui allaient travailler ensemble, passant par la langue de l'autre pour mieux arriver à la langue de l'auteur et faire cette collaboration dont vous parlez, c'est toujours assez fascinant. Alors, voilà qui explique quand même cette diversité, mais je vois que vous avez aussi vécu, est-ce que vous parlez le chinois, parlez-vous l'arabe, est-ce que vous avez vécu à toutes sortes d'endroits? Je me débrouillais, disons, quand j'étais sur place, dans le rapport au quotidien, mais je ne pourrais pas traduire ces langues. D'accord. Et vous habitez maintenant la Colombie? Je suis en Colombie. Vous êtes maintenant en Colombie, alors on espère que le réseau Internet va rester avec nous pendant tout le long de notre entrevue et que malgré la tempête qui semble tomber à côté de vous, vous allez rester avec nous tout le long. Alors, merci pour ces premiers mots. Stéphane, René, racontez-nous un peu ce qui vous a, vous, amené à la traduction. Vous m'avez vite corrigé, vous n'êtes plus lié au journalisme, vous êtes un homme libre qui peut se consacrer entièrement à la traduction, si je comprends bien, et à l'écriture. Oui. Alors, c'est vrai que là, je traduis depuis longtemps. Finalement, j'ai commencé il y a une bonne trentaine d'années. Donc, j'ai pendant longtemps mené de front ces deux activités. Et donc, voilà. Et là, c'est vrai que depuis ces dernières années, la traduction est devenue mon occupation essentielle. Moi, j'ai un rapport à la langue espagnole un petit peu particulier parce que finalement, je l'ai appris relativement tard, l'espagnol. J'avais 20 ans. Donc, ce n'est pas une langue que j'ai étudiée à l'école.
J'ai fait du russe, du latin, de l'anglais. Voilà. C'est un peu par hasard que je me suis retrouvé un jour en Amérique latine, et ça a été une espèce au Mexique précisément, à l'âge de 20 ans, et ça a été un coup de foudre à la fois pour le pays et pour la langue, une révélation. Et à ce moment-là, ça a été presque une renaissance en espagnol, et une renaissance d'abord comme lecteur. C'est-à-dire que quand j'ai appris l'espagnol, très vite, j'ai cherché à lire. J'étais un grand lecteur quand j'étais enfant, adolescent, et j'ai retrouvé cette espèce d'enthousiasme de la découverte de la lecture en espagnol. Et j'ai lu à ce moment-là, commencé à lire à peu près les grands classiques de l'époque, si je puis dire. Donc, voilà, Garcia Marquez, Alejo Carpentier, Borges, Onetti. J'étais très admiratif et presque jaloux de voir qu'ils traduisent des livres absolument magnifiques d'Onetti. Voilà, Esta Noche, pour moi, c'est une espèce de sommet. Voilà. Non, mais c'est Et... le troisième Donetti que j'ai traduit Oui. pour moi à Paris, c'est par Esta Noche. Quelle aventure! Je suis content que vous l'ayez apprécié. J'imagine. Et il se trouve que c'est anecdotique, mais j'habite à Madrid maintenant, et j'habite à 200 mètres de là où Avenida de habitait las Américas. Avenida de América, à côté de Madrid. Bon. Il habitait. Mais donc, j'ai commencé à lire, et parmi les livres que j'ai lus, les romans, il y a un classique aussi qui est celui de Ernesto Sabato, Sobre héroes y tumbas. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup touché à l'époque, très très beau roman, et j'étais tout à fait enthousiaste de sa lecture. Et j'habitais donc le Mexique, et puis je suis rentré à Paris à un moment, et je n'avais qu'une envie, c'était de le faire découvrir. Enfin, de le faire découvrir, plutôt d'en parler. Je savais je me disais, il avait forcément été traduit en français, etc. Et donc, j'ai été dans une librairie comme ça, et j'ai demandé, est-ce que vous avez sur des héros et des tombes de Ernesto Sabato? Et on m'a dit, non, non. Alors, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, c'était un peu plus long. Bref, j'ai mis, alors dans mon souvenir, je livre un peu, mais plusieurs heures et deux ou trois librairies avant de découvrir que Sobre héroes y tumbas s'appelait en français, avait été traduit, s'appelait Alexandra. Et cette découverte a été pour moi une sorte de terrible, comment dire, j'étais en rage, tout simplement. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut gâcher dès le début, faire une traduction pareille? Et donc, je ne savais rien, évidemment, à l'époque, que c'était les éditeurs qui choisissaient les titres, pas les traducteurs. Et je me suis dit, mais enfin, ce n'est pas possible de traduire Sobre héroes y tumbas par Alexandra. Alors, Sobre héroes y tumbas, moi, je le traduisais en français littéralement, sur des héros et des tombes. C'est un titre complètement énigmatique, mais il l'est aussi en espagnol. Mais pour moi, il évoquait immédiatement un chapitre des Misérables. Enfin, ça renvoyait à ça, à cet univers-là. Et je me dis, mais ben, quel sens ça a de ne pas le traduire littéralement? Pourquoi Alexandra, c'est d'une platitude? Et j'étais tellement furieux que j'ai commencé à retraduire tout seul, comme ça, le premier chapitre de Sobre héroes y tumbas en français, parce que je disais, il est évident que si le titre est comme ça, la traduction est forcément lamentable. Alors, je n'ai pas retrouvé trace de cette première tentative, et je pense qu'elle n'a pas dû aller très loin, donc je l'ai perdue. Et je pense que je me suis rendu compte assez vite que les enjeux étaient quand même autrement plus difficiles. Mais on peut dire d'une certaine façon que cette rage, ce coup de colère, cette incompréhension a presque été le déclencheur de ma vocation de traducteur qui, plusieurs années plus tard, s'est enfin concrétisée. Bah, la colère, c'est un excellent moteur, hein? Vous avez bien raison. Et puis, s'il y a une chose qui ne va pas avec Sabato, c'est bien Alexandra comme titre. Il me semble que c'est un peu antinomique avec le personnage de Sabato qui n'est pas tellement Jojo, en Oui, fait. non, Hein? non, et puis c'était pas du tout ça. Alors, il a été retraduit il n'y a pas longtemps. Ah oui. Et ils l'ont appelé, alors ce qui est pareil, c'est là, enfin, ils l'ont appelé des héros et des tombes. Et bon, ça se rapproche, mais je trouve que c'est toujours, voilà, ils ont eu. Enfin, bon. Ah. Je continuerai à défendre sur des héros et des tombes et à dire qu'une des motivations pour traduire, souvent, je pense, les traducteurs se sont dit à un moment qu'ils seraient meilleurs traducteurs que le traducteur, ce qui est évidemment largement une illusion, mais après tout, ça peut être un point de départ. Oui.
Ah, mais c'est amusant, ouais. C'est intéressant comme façon de se lancer dans le domaine, avec un peu de vigueur et de colère, je comprends bien. Dites-moi, Stéphane, vous écrivez, vous traduisez, comment combinez-vous les deux? Est-ce que vous avez commencé par l'un plutôt que par l'autre? Est-ce que l'un alimente l'autre? Est-ce que l'un prend plus de place que l'autre? Comment combinez-vous ces deux activités? Oui, la traduction est venue après. C'est d'ailleurs c'est assez amusant parce que c'est un peu très similaire à ce que vient de raconter René Solis. Moi aussi, j'ai pas appris l'espagnol à l'école, j'ai appris tard, je l'ai appris en Amérique latine. Mon espagnol que j'ai appris est aussi celui affectif et celui d'Amérique latine, notamment au Mexique, où j'ai, enfin, le Mexique et la Colombie, c'est les endroits où j'ai le plus vécu. Donc, la traduction est venue après. Est venue après. Et ce que disait aussi René sur cette traduction, je pense que c'est aussi chaque époque a comme un besoin de retraduire, non? Et pour l'anecdote, j'ai lu effectivement, moi aussi, quand je ne parlais pas suffisamment l'espagnol, j'avais lu la traduction Alexandra, je laisse ce livre, c'est un livre au seuil, les cadres verts, un vieil exemplaire. Et je ne savais pas en le lisant tout de suite. Après, effectivement, quand je me suis intéressé plus à ça, j'ai vu que, pareil, je n'ai pas compris du tout la traduction. Et c'est assez amusant que tu notes ça. Pour moi, comment c'est un peu, ça procède un peu de la même chose au niveau du travail sur la langue. C'est assez proche quand je me mets à traduire de la façon dont je vais avoir d'écrire dans le travail même. Par contre, ça ne procède pas du tout des mêmes nécessités ni des mêmes désirs. Voilà, en ce qui concerne autant les romans que j'écris ou la poésie, pareil, c'est bon, le genre s'impose un peu à soi et puis. La poésie, c'est vraiment différent. La poésie, c'est quand ça vient, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Bon, le roman, dès qu'on a une idée, un projet, on peut travailler dessus, même s'il y a des jours, on est un peu moins présent, peut-être, ou des choses comme ça. La traduction, je pense que ça, c'est lié aux rencontres pour moi. Comme je traduis beaucoup de poètes contemporains, c'est souvent lié aux rencontres. Donc, voilà, ça naît d'un désir de faire connaître. Dans ma langue, des poètes d'aujourd'hui. Je pense que on a besoin de ça, de faire sentir ce qui existe aujourd'hui dans le monde. C'est vraiment lié à ce qu'est la traduction même. Pour moi, la traduction, c'est vraiment bon, se confronter à l'altérité, à la différence. Et c'est un peu agrandir la maison. Donc, c'est une façon d'agrandir la maison, mais aussi de complexifier un peu nos imaginaires, le monde, notre façon de voir le monde. Donc, c'est pas seulement. Et puis, notre propre langue. Donc, c'est aussi pour moi, c'est aussi rentrer dans d'autres univers et puis essayer, comme aussi un défi, de voir comment on peut, dans sa propre langue, recréer, redonner à la vibration, les sensations qu'on a eues à la lecture en espagnol. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le lien entre la création et la traduction, qui est une forme de création aussi, mais la création plus libre, c'est-à-dire la sienne propre. Moi, je sais que j'ai commencé à traduire avant d'écrire, et en fait, je pense que j'ai commencé à écrire en réaction à une certaine, pas frustration, parce que c'est un plaisir de traduire pour moi, mais quand même, on est limité par les marge que nous laisse bien l'auteur que l'on traduit. Alors, à un moment donné, pour s'élever et puis se sauver un peu de ces marges-là, on peut se mettre à écrire soi-même. Je dis à mes étudiants parfois qui ont envie de traficoter un peu trop dans la sève de l'auteur qu'ils traduisent, ben, allez écrire pour vous-même et laissez le pauvre auteur tranquille. Si vous avez des choses à dire, sortez de la traduction et allez écrire. Alors, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je suis passé de la traduction vers l'écriture par la suite. Et mes premiers livres ont été un peu trop honnêteté. Je traduisais surtout honnêteté à l'époque. Évidemment, quand on est un peu pris par le maître, on a du mal à s'en affranchir. Par la suite, heureusement, ça s'est tassé un petit peu et j'ai traduit d'autres auteurs, mais j'ai eu la chance et la malchance de commencer avec un monument pour moi, que j'admirais beaucoup. Alors, c'est ce lien-là là, que j'aimerais peut-être un peu explorer avec vous. Je continuerai un moment avec vous, Stéphane, et je lancerai ensuite René sur cette question.
quand vous écrivez, puisque nous sommes au fond tous les trois, avec ces deux chapeaux, nous écrivons et nous traduisons. Ce n'est pas le cas de tout le monde, on s'entend. Il y a des écrivains qui ne traduisent pas et il y a bien des traducteurs qui n'écrivent pas. Mais comme nous faisons les deux, c'est un peu ce que j'aimerais voir avec vous. Est-ce que la traduction vous donne envie d'écrire? Est-ce que l'écriture vous donne envie de traduire? Parce qu'il y a ça aussi. Parfois, on est fatigué de créer, puis d'inventer, puis de trouver toujours quelque chose de nouveau. Alors, on va vers la traduction comme dans un pré tranquille, et puis on n'a qu'à jouer dans la beauté, le plaisir d'écrire sans se fatiguer à inventer une histoire. Alors, ça va dans les deux côtés, non? Alors, c'est un peu là-dessus que je voulais vous entendre. Disons que c'est vrai que la traduction, c'est une façon un peu aussi parfois de s'oublier un peu, de se mettre un petit peu en veille de son moi, etc., quand on est dans un aspect créatif. Mais pour moi, c'est vrai que c'est quand même d'abord la priorité de mon temps, elle est d'abord consacrée à l'écriture principalement. Et je dirais que la traduction, c'est venu comme un à côté. Mais un à côté nécessaire, comme j'ai pour sortir un peu de soi, et puis une envie vraiment de, je sais pas, de la rencontre, c'est vraiment lié à la rencontre, vraiment de sortir d'un peu de la solitude qu'est l'écriture. Donc ça, c'est vraiment l'aspect principal en ce qui me concerne, je crois. Après, dans le travail de création, c'est assez fascinant aussi quand vous êtes dans votre écriture, Vous êtes seul avec ça, il n'y a personne qui doit vous dire comment vous allez le faire ou non, quelles sont les limites ou le cadre ou les formes que vous voulez travailler. Avec la traduction, le défi, c'est que vous devez être dans un minimum de respect. Enfin, c'est toujours la question, il y a un texte de base. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un espace de création pour le traducteur, enfin, surtout en tout cas dans la poésie, je pense. Parce qu'on est obligé parfois d'être infidèle pour de paraître infidèle pour redonner dans sa propre langue la force créatrice ou la musicalité ou un rythme qui est propre à l'autre langue. Quand vous êtes trop dans la fidélité, dans une imitation d'une langue à l'autre, ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, il y a cet espace où vous devez, et c'est là où c'est proche de votre propre travail, disons, de création, parce qu'il faut quand même être... et d'être attentif à cet aspect du travail. Je pense que c'est surtout la différence aussi, c'est dans la traduction, c'est le fait d'accepter qu'il y a une perte, qu'il y a toujours une perte. Mais cette perte, c'est pas, il faut, ça vous oblige aussi à l'assumer. C'est comme un défi. Et pour essayer de trouver dans votre propre langue quelles seront les ressources qui pourront limiter cette perte. Donc, il y a toujours cet aspect-là. Ça me fait penser à cette fameuse phrase de Beckett que tout le monde connaît, qui disait comme ça, rater, essayer encore, rater mieux. Et c'est devenu presque un cliché. Il paraît qu'il y a des gens qui se sont tatoués cette phrase de Beckett. Mais je pense que la traduction, c'est parfois un peu, pour vrai, je me dis toujours que c'est une façon de le rater le mieux possible par rapport à, en prenant en conscience cette idée de perte. Oui, la perte, l'absence comme moteur, au fond, le désir d'aller chercher ce qui n'est plus là. Ouais, il y a quelque chose de fort quand même là-dedans. Mais je reviendrai tout à l'heure à cette idée de rencontre, parce qu'il y a un aspect pratique à ça que j'aimerais explorer avec vous, la nécessaire ou pas rencontre avec l'écrivain. Mais passons la parole à René, en lui demandant lui aussi un peu comment il combine ces deux activités. Alors, moi, j'ai mon activité d'écriture, mon autre activité, je ne suis pas romancier ni poète, je n'ai pas publié de livre en tant que tel. J'ai beaucoup écrit et signé dans le journal, comme on dit, puisque j'ai effectivement été pendant, enfin, je suis d'ailleurs encore, j'écris encore, mais à Libération pendant plus de 30 ans, et en particulier, je me suis occupé pendant très longtemps de la critique théâtrale. Comment dire, c'était deux exercices totalement à la fois parallèles et en même temps sans lien apparent. Alors pour le coup, entre le journalisme et la traduction, voilà, les conditions même l'élaboration des deux activités n'avaient rien à voir. Je disais toujours que quand je traduisais, pour moi, ça voulait dire fermer la porte. C'est-à-dire l'exact contraire du journal. J'étais un quotidien en plus, donc avec
tout le folklore, on peut dire, et la tension du quotidien, avec tout ce que. D'ailleurs, donc, écrire au milieu du brouhaha, des téléphones, des interruptions permanentes, etc., etc. Et bon, avec ce que ça peut avoir d'excitant, etc. Mais la traduction, pour moi, c'était presque le contraire. C'était vraiment il y avait un côté pratiquement monacal par rapport à une retraite par rapport au journal. Je rentrais, je fermais la porte, je m'enfermais et tout d'un coup, j'avais un rapport, alors évidemment complètement différent à l'écriture. Et je dirais qu'en fait, mon premier rapport à la traduction, enfin, je dis toujours qu'avant d'être traducteur, je suis un lecteur et je suis un lecteur privilégié parce que ce premier rapport-là, pour moi, il est pas dans le désir d'écrire, il est dans le désir de lire. Voilà, il y a quelque chose là qui me porte. Alors, peut-être parce que mon désir d'écrire, d'une certaine façon, le journalisme l'a assouvi et que je n'avais pas la... Je suis un écrivain frustré, heureux, si je puis dire. Je veux dire, je n'ai pas de romans dans mes tiroirs, de lettres de refus d'éditeur. Voilà, donc je considère que je ne considère pas avoir raté quelque chose parce que je n'ai pas écrit, ou si je l'ai raté, encore une fois, je crois que je le vis très bien. Mais ces deux activités. Après, j'ai trouvé des liens, évidemment, au fur et à mesure, entre le théâtre et la traduction. Je me suis rendu compte, par exemple, que je crois que je traduisais peut-être de mieux en mieux les dialogues. En tout cas, on me l'a fait remarquer. Et le fait d'aller beaucoup au théâtre m'a évidemment beaucoup, beaucoup aidé. Donc, il y a eu comme ça des circulations qui se sont faites. Et les deux pratiques se sont finalement plus nourries que ce que j'ai pu croire. Oui, je comprends. Merci. Je vous écoutais parler de la salle de presse de Libération. Maintenant que nous vivons tous confinés, on est un peu jaloux. On imagine un peu cette fébrilité. Maintenant qu'on est tous enfermés chez soi, ça fait un peu rêver. Hein? Je ne vous entends plus, René. Ah, c'est curieux, on dirait que le volume est disparu tout à coup. Alors, je vais voir si je peux le remettre, mais non. Ça s'améliore, là. Oui, vous m'entendez? Ça revient, c'est revenu. Oui. Voilà, c'est revenu, voilà, tout va bien. Donc, je disais que, oui, mais les salles de rédaction, aujourd'hui, les journalistes, ils sont chez eux, hein, je crois que... Ils sont chez eux, ouais. C'est sûr. Ouais. On a perdu tout ça, c'est sûr. Mais ça va revenir, souhaitons-le. Alors, écoutez, vous avez lancé comme ça tout à l'heure, Stéphane, l'idée de la rencontre, hein, qu'il y avait quelque chose dans la traduction par rapport à l'écriture. C'est vrai, comme dit René, que la traduction aussi, on ferme la porte et puis qu'on est tranquille, enfin, mais lui, il compare ça avec la salle de rédaction de Libération, ça, je veux bien. Mais vous, au fond, vous dites qu'au contraire, la traduction, c'est une façon de sortir d'une certaine bulle de l'écrivain et puis d'aller un peu vers l'autre, d'aller quand même vers une certaine rencontre, même si ça ne veut pas dire d'avoir la fébrilité d'une salle de rédaction. Mais dans cette rencontre-là, est-ce que vous sentez nécessaire d'aller véritablement rencontrer l'auteur? C'est une question un peu tordue, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec mes traductions des différents romans d'Onetti, je suis allé le voir quelques fois à Madrid, et puis ça se passait toujours très mal. Comme vous le savez peut-être, Onetti vivait tumbado en su cama, puis il prenait son whisky, il disait « Olé, t'aimes le whisky !» Puis au fond, c'était un peu ça, hein, alors... Moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe, assez jeune, je me pose des questions, puis il m'écoute vaguement. Puis, entre autres, dans Paris cette noche, il y avait un type qui s'appelait Bidard, et puis 50 pages plus loin, il y en a un autre qui s'appelle Bijard. Puis là, je lui dis, monsieur Onetti, est-ce que vous pouvez me dire c'est une erreur de frappe, sans doute, Bijard? Je lui dis, Bijard, non, il y a quelque chose de Bijard, il se nommait. Là, je dis, non, non, c'est un monsieur qui s'appelle Bijard. Enfin, il se payait ma tête complètement. Et puis, il dit, aucune idée de quoi vous parlez. Et de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Lisez donc Faulkner, plutôt. Voilà. Alors, ce n'est pas très concluant comme collaboration. Je parle à son fils Jorge, qui me dit, écoute, ça doit être une faute, une typo. Alors, j'écris à Bourgois à Paris, il n'y a pas d'Internet dans ce temps-là. J'ai dit, écoutez, M. Bourgois, avant d'aller sous presse, s'il vous plaît, vous m'enlevez ça. Je pense que c'est bidard partout. Très bien. Et puis, quelques mois plus tard, le livre paru... Onetti écrit une lettre à Bourgois, je passe prendre mon chèque avant de rentrer chez moi à Québec. Bourgois me donne ce chèque. Il dit, à propos, il y a une lettre ici en espagnol de l'auteur, je ne comprends rien, puis il l'a traduit. Je traduis pour M. Bourgois cette envolée onettienne de 8 pages
où Onetti annonce qu'il souhaite que ce jeune traducteur canadien au nom bizarre passe le reste de sa vie poursuivi par le personnage qu'il a cavalièrement assassiné. Et là, il part sur un délire de 8 pages qui ferait une merveilleuse nouvelle. D'ailleurs, il faudrait demander aux ayants droit de Bourgois de nous donner ça. Malheureusement, je ne l'ai plus. Et ça m'a un peu refroidi pour les collaborations à venir. Et au fond, j'ai comme eu le sentiment que Conetti me disait, au fond, écoute, mon gars, fais ton affaire. Tu n'as pas besoin de me consulter. Onetti est un maître de la trampa. Il le joue avec son lecteur. Il n'a pas envie que quelqu'un vienne lui demander « Mais qu'est-ce que vous vouliez dire ici ?» C'est à nous de rejouer le jeu, d'embarquer dans son histoire et d'éviter les trampas le plus possible, mais de recréer cette ambiguïté, pas de l'élucider. Moi, c'est ce que j'ai tiré un peu comme jeune traducteur à l'époque de cette expérience, pour le coup, un peu éprouvante. Mais depuis, je maintiens mon affaire, même si je sais que je vais un peu à contre-courant, puis en créant des centres comme BAMF, à l'image de ce qu'on peut faire en Europe, ou l'idée de favoriser la collaboration avec des auteurs, évidemment, je vais un peu contre mon idée, mais je sais bien que parfois, c'est très intéressant. Et en fait, dans ces rencontres, je préfère souvent parler avec les autres traducteurs dont on parlait tout à l'heure, un peu le genre de collaboration que vous avez pu faire avec notre auteur Farrokhzad. Mais je demeure toujours frileux à consulter les auteurs de peur de leur demander d'élucider quelque chose qui ne devrait pas être élucidé, qui devrait simplement être reproduit dans toute son ambiguïté. Et quand on me traduit en espagnol et qu'on sait que je suis traducteur d'espagnol, on me demande des questions, moi aussi. Et je déteste ça autant que je n'aime pas consulter mes auteurs. Je ne veux pas être consulté non plus. Je dis, mais perdez-vous, trouvez la solution. Si je ne sais pas clair dans mon livre, parfois d'ailleurs, ce n'est pas clair à cause d'une de mes erreurs. Ça fait mal un peu. Mais parfois, ce n'est pas clair parce que ça n'a pas été clair. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que, bon, là, je vous mets sur une mauvaise piste parce que peut-être que vous n'êtes pas du tout de mon avis, alors ce n'est pas très chic de ma part, mais quoi qu'il en soit, faites à votre guise. Comment sentez-vous ça, vous, cette rencontre, comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce que c'est une rencontre par l'esprit? Ça, c'est bien autre chose. Une rencontre où on doit lire toute l'œuvre d'un auteur pour vraiment se pénétrer de ce qu'il souhaite dire, pas juste dans un roman, mais dans toute son œuvre. Ou est-ce que vous pensez vraiment que de rencontrer un auteur physiquement, de voir de quoi il a l'air, de voir comment il prend son verre de vin, comment il agit dans la vie, quel genre d'être il semble être, est-ce que ça vous aide à le traduire? Disons, je suis d'accord avec ce que disait René. Pour moi, d'abord, la traduction, c'est une lecture. Ce n'est pas une interprétation, c'est d'abord une lecture. Et donc, c'est un dialogue. Donc, cette rencontre, quand je parle de rencontre, c'est surtout cette rencontre du texte, du dialogue. On n'a pas besoin de l'auteur, forcément. Effectivement, la première rencontre, c'est celle du texte. Et elle pourrait suffire. Après, je pense que ce n'est pas tellement, encore une fois, rencontrer l'auteur physiquement, encore que, bon, ça m'est arrivé de traduire des poètes colombiens. La rencontre, ça a été surtout le prétexte pour aller picoler de bar en bar, bon, plus que de questions de traduction. Mais par exemple, je prendrais un exemple dans ce que j'aime aussi dans le fait de poser, poser une question à un auteur. C'est pas tellement, je vais prendre un exemple, par exemple, quand j'ai traduit une poète mexicaine, qui s'appelle Pura López Colomé, j'avais traduit un livre de poèmes d'elle qui s'appelle Intempéries. Et bon, c'est moi qui avais choisi ce livre pour le traduire, mais quand je me suis mis à le traduire, je pensais que j'avais fait une erreur parce qu'en fait, j'avais l'impression de ne pas comprendre, de pas les mots en soi, mais de ne pas rentrer, disons, dans l'univers de ce livre. Il y avait quelque chose qui, j'arrivais pas à entrer complètement. Et donc, j'ai décidé d'appeler Pula, la poète. Mais je ne lui ai pas posé de questions, j'avais envie de discuter avec elle. Et à un moment, je lui ai demandé comme ça de me raconter son enfance, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose lié. Et elle s'est mise à me raconter des choses de son enfance. Et ça a débloqué un peu un imaginaire en moi. Ça m'a permis de rentrer dans son œuvre. Donc, c'était dans ce cas, voilà, cette rencontre de la discussion qui portait pas sur des points précis de mots ou d'explications, ça m'a permis d'entrer dans ce texte. Ensuite, je pense qu'il y a quand même quelque chose, oui, qui peut être un peu, bon, ça peut être éprouvant dans le cas d'Onetti, mais parfois c'est quand même des belles rencontres aussi d'amitié qui naissent de près, de poètes. Parfois, c'est aussi la rencontre qui donne envie de traduire, parce que vous rencontrez à la fois
une personne et un poète, et vous avez envie de ça vous donne envie de le traduire. Mais il y a quand même quelque chose de. C'est quand même une chance aussi d'avoir un contemporain à qui vous pouvez poser certaines questions qui sont plus pratiques. Parce que surtout dans la poésie, bon, je ne sais pas comment on le verra avec le roman. Oui, il n'y a pas besoin de lire l'œuvre tout entière. Pour moi, un poème, c'est un monde en soi. Donc vous pouvez traduire un poème, vous concentrer sur un poème, passer à un autre, etc. Et puis voir après comment. Bon, dans le cas de Zola, le livre était très construit. Donc, mais. Il y a quand même, quand il y a une question, quand il y a un doute, c'est pas pour enlever l'ambiguïté ou donner une explication ben après en français, non. Mais c'est justement pour être le plus subtil et le plus fin possible dans cette ambiguïté. Parce qu'il y a aussi toujours ce problème entre ce qui peut après passer comme une erreur de traduction, quelque chose d'un peu obscur qui n'est pas. Donc, bon, garder cette ambiguïté, bien sûr, quand le texte l'est. Mais moi, ça m'arrive assez souvent de poser des questions aux poètes que je traduis. En général, ils sont au contraire assez. C'est un dialogue qui est assez agréable. Je n'ai jamais eu de problème particulier. Voilà. Après, bon, dans le cas, par exemple, de Leopoldo Maria Panero, bon, j'aurais parfois bien voulu lui poser des questions, certaines questions, mais c'était un peu compliqué. Et j'ai eu juste une conversation, vous savez qu'il était dans un hôpital psychiatrique et je l'ai eu au téléphone et pendant trois quarts d'heure, il m'a parlé de Baudelaire, Mallarmé, L'autre et l'amant, etc. Mais je n'ai pas réussi à poser une seule question. Et c'était quand même un entretien assez fascinant. Ça a dû répondre à des questions quand même, sans que vous ne les ayez posées. Le seul fait de l'entendre, hein, de voir un peu de quoi il parle, c'est sûr. Donc voilà, c'est un petit peu. Je trouve que ces rencontres, elles sont quand même, elles sont pas nécessaires, mais parfois elles sont aussi. En tout cas, le dialogue, c'est plutôt le dialogue qui va compter, je pense. Oui, je comprends bien. René, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, complètement d'accord avec Stéphane sur l'idée de la rencontre, c'est d'avoir la rencontre avec un texte, et que ce texte, et alors là, je dirais que roman comme poésie, le texte est un monde en soi, en lui-même, donc nous, on n'a pas besoin de connaître tout le reste pour se confronter, s'immerger dans ce texte et dans cet univers. J'avais au début, j'étais souvent un peu comme ça, jeune traducteur avec des principes, et donc je considérais qu'il y avait deux choses, deux points d'honneur qui étaient de jamais mettre une note de bas de page. J'ai toujours considéré que la note de bas de page était l'ennemi du traducteur, d'accord. C'était même l'antithèse de ce qu'était le travail d'un traducteur, donc c'était une défaite pour moi inacceptable, la note de bas de page. Alors, j'en suis un tout petit peu revenu, c'est-à-dire que, mais voilà. C'était, et l'autre chose, c'était de surtout pas poser de questions à l'auteur. Et parce que là aussi, je me disais, mais c'est, voilà, non, c'est à moi de, je veux dire, qu'est-ce que je vais lui demander, etc. Pendant très longtemps, j'ai surtout pas cherché à rencontrer les auteurs. Alors, il y a un cas de figure qui se pose des fois, qui est Odetti, vous avez très bien raconté, je pense, et très bien analysé a posteriori le problème. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il ne fallait pas lui poser de questions et que, voilà. Donc, mais il y a le cas de figure où l'auteur tient absolument à rencontrer le traducteur. Et non seulement tient à rencontrer le traducteur, mais le pire, c'est quand l'auteur parle bien français. Ah oui. Et que, pour une raison ou une autre, il exige ou il demande ou il voudrait bien ou il veut, etc., que l'éditeur lui fasse passer la traduction avant publication. Alors, les éditeurs sérieux, et j'ai la chance de travailler en général pour des éditeurs sérieux, on barrage, heureusement, enfin, ils savent bien, ils ont des expériences quelquefois cuisantes et qu'il vaut mieux pas. Mais moi, j'ai eu une ou deux expériences d'auteurs voulant sinon me rencontrer, du moins rencontrer à tout prix ma traduction avant qu'elle soit publiée. Et voilà, et ça a été des expériences où je suis gré à l'éditeur d'avoir fait barrage et d'avoir défendu mon travail et de ne pas l'avoir soumis pour approbation à l'auteur. Mais sur les connivences, bien sûr qu'à force de traduire des auteurs, il y a alors des connivences avec une écriture et puis le fait de traduire beaucoup.
Il se trouve que j'ai traduit beaucoup d'auteurs, mais il y en a que j'ai beaucoup traduit. Il n'y a pas qu'au Taibo. Là, ces dernières années, je traduis beaucoup Castellanos Moya. Et il y a là, s'instaurent des connivences. Et on finit évidemment par les rencontrer dans un festival, au Salon du Livre, etc. Et oui, bien sûr. J'étais content de les connaître et il y a des auteurs avec qui j'ai des affinités et c'est pas un hasard si je continue à les traduire et si je prends plaisir à les traduire. Mais c'est ce que disait Stéphane aussi sur aller boire un coup avec eux, je veux dire, c'est pas forcément ça qui change le rapport qu'on a avec le texte, sauf le cas précis, exceptionnel, mais de façon générale, non. Le rapport essentiel, c'est le texte, c'est ce rapport exceptionnel qu'on a la chance d'avoir avec un test quand on est traducteur, c'est d'être un lecteur privilégié. En fait, oui, tout ça nous ramène à ce mot que Stéphane a lancé tout à l'heure, hein, l'idée de la rencontre. Moi, après mon expérience un peu éprouvante avec Onetti, je me suis rendu compte qu'au fond, j'avais eu tort. Ce n'était pas à Madrid où je devais aller pour rencontrer Onetti, où il était en exil, mais plutôt aller là où se passent ces histoires. Alors, après ça, je me suis rendu compte qu'il était temps que je parte pour le Rio de la Plata, où je n'étais jamais allé, en fait. Et là, je suis allé m'installer à Buenos Aires, à Benidorm, puis je suis allé m'installer à Montevideo, puis là, j'ai commencé à comprendre. Première chose, pour moi, qui connaissais mieux l'Espagne, una caña, c'était un verre de bière au bar. Première chose que je fais en arrivant dans un bar à Buenos Aires, c'est demander una caña, parce qu'il me semblait bien dans les romans que je traduisais que ça ne ressemblait pas à une bière en fût telle que je la prenais dans un café en Espagne. Évidemment, una caña à Buenos Aires, c'est un petit verre de canne à sucre. Ça explique pourquoi, de liqueur de canne à sucre, c'est pourquoi ils deviennent sous un peu rapidement par rapport à si ça avait été le cas en Espagne avec une petite caña qui sont petites en plus. Alors, ça fait partie de ces petits exemples, au-delà de la terminologie qui, évidemment, surtout dans le milieu hispanique, varie énormément d'un pays à l'autre, on le sait bien. Mais au-delà de ça, c'est de sentir les choses. Moi, j'étais là à l'époque où Sabato allait tous les jours à Tribunales pour aller rencontrer les gens. C'était un peu après le proceso, c'était au moment où il écrivait Nunca Mas. J'étais là, Borges sortait avec Sabato bras dessous, Borges en pleure parce qu'il se rendait compte un peu des gaffes qu'il avait pu faire. Et puis, mais c'est ça qu'il fallait que je voie. Pour traduire par Esta Noche et d'autres romans de cette époque. Après, on a fait une anthologie de littérature argentine, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, sentir les choses de l'intérieur, plus que de rencontrer l'auteur, c'est de rencontrer son monde, aller prendre un verre avec eux, peut-être, mais pas nécessairement parler de son livre, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, quelle est l'importance pour vous de sentir, surtout, je reviens vers vous, Stéphane, parce que vous avez vécu à plein d'endroits, vous avez traduit. Des auteurs de différents endroits. Est-ce que c'est important d'aller dans ces pays-là, de sentir ce dont parlent ces auteurs-là, de vivre un peu les drames qu'ils peuvent raconter dans leur poésie ou dans leur littérature, quel que soit le type? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Je ne suis pas complètement sûr. Après, que ce soit quelque chose, un plus, et que ça vous... Disons, ça fait prendre des raccourcis, quoi. Rien que dans le vocabulaire, effectivement, comme tu le signalais, bon, parfois, il y a quand même le fait de connaître un peu l'espagnol de Colombie ou d'Argentine ou de Mexique, bon, ça peut permettre d'aller plus vite. Que si vous connaissez, évidemment, le pays ou telle ville, je pense que ça peut faciliter, ça peut aller plus vite, ça peut vous permettre, mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et puis bon, on n'est pas seulement, enfin ça va au-delà, je pense, parce que si on parle d'un poète, on pourrait dire que c'est peut-être parfois plus important de savoir quelles sont ses lectures, par exemple, plutôt que peut-être où il habite. Dans d'autres cas, ça va vraiment être un peu, je pense, lié à chaque poète ou à chaque écrivain que vous allez traduire. Il y en a dans l'œuvre desquels le lieu a une importance vraiment très particulière. Je pense à certains poètes, enfin bon, où la présence géographique est très importante. Donc forcément, oui, vous allez, si vous avez cette connaissance-là, ça êtes plus perméable et donc ça va peut-être faciliter les choses. Mais est-ce que c'est une nécessité? Je ne suis pas certain.
J'ai l'impression que vous parlez comme traducteur de poésie, peut-être aussi. Hein. Je pense que traduire un poème, le pays du poème, c'est le poème. Alors qu'un roman, peut-être, c'est peut-être, il y a plus de couleurs locales, il y a quelque chose qui est souvent plus étroitement associé au lieu. C'est vrai que la poésie peut être souvent plus abstraite et plus détachée de certains lieux, oui, mais pas toujours. Ça dépend. Bon, par exemple, j'avais traduit Pedro Gutiérrez, l'auteur cubain. Bon, là, vous êtes quand même dans quelque chose de très... voilà, c'est très... très cubain, très la Havane des années 90, c'est très concret, c'est un langage très familier. Bon, voilà, la poésie, ça ne se limite pas de toute façon à d'abstraction. Non, c'est vraiment, ce que je disais, c'est vraiment lié au poète en soi. Et dans ce cas-là, justement, du poète cubain, bon, moi, je ne connaissais pas, avant de traduire ça, la Havane ni Cuba, et ça, je ne pense pas que ça m'ait empêché de... Voilà, j'avais lu ses romans aussi, par exemple, bon, où on a vu des films, où on a lu Padoir, enfin, ou d'autres auteurs, etc. Donc, on se nourrit aussi de tout ça, si vous voulez, pas forcément du lieu géographique. René, vous, qui avez quand même traduit un Cubain, un Vénézuélien, est-ce que vous êtes allé dans ces pays? Est-ce que... est-ce que vous êtes allé au Mexique? Est-ce que vous savez un peu, parce que Taibo, il raconte des choses quand même qui sont autour de lui. Est-ce que vous avez vécu ces endroits-là ou pas nécessairement? Alors, ça dépend, mais puisque j'ai à peu près commencé avec Taibo, et que c'est par ailleurs l'auteur que j'ai le plus traduit, même si là, ces dernières années, il ne publie plus beaucoup de romans, et donc ça m'a aidé, évidemment. Oui, j'ai habité Mexico. Oui, je connais les endroits, oui, son rapport à la ville me parle, oui, l'argot du DF, je le connais, je l'ai un peu pratiqué, etc. Donc, bien sûr que ça m'a aidé, et beaucoup. Je veux dire, le premier roman de Taibo, que j'ai traduit, Ombre de l'ombre, évidemment qu'il y avait quelque chose de familier dans l'univers, dans tout ça, qui était, et ça m'a aidé. Mais, à contrario, le premier roman que j'ai traduit de Leonardo Padura, je n'avais jamais été à Cuba. Et d'ailleurs, j'ai au moins fait un contresens dans la traduction parce que je n'avais pas été à Cuba. Je veux dire, voilà. Mais je pense que ça ne m'a pas empêché. Là aussi, j'étais d'accord avec ce que disait Stéphane. C'est que la connexion, l'immersion, la connivence, la sensibilité à une écriture, à une œuvre, ça va évidemment bien au-delà de simplement la géographie, les lieux, les atmosphères. Donc, je veux dire, la Havane est formidablement présente dans les livres de Padura, et il n'y a pas besoin d'avoir été à la Havane pour comprendre quelque chose d'essentiel de cette présence. Mais c'est vrai aussi que j'ai été à Cuba après avoir traduit le premier roman de Padura, et que je me suis dit, oh là là, si j'avais su, peut-être j'aurais fait un peu autrement quand même. Donc ça m'a apporté. Mais je pense qu'on peut être un très grand traducteur de Proust et n'être jamais sorti de son district en Chine. Ça me paraît évident. Enfin, c'est vrai, et puis... Et puis en plus, aujourd'hui, une des difficultés que l'on pouvait avoir si on n'était jamais allé à l'endroit décrit par un auteur, une des difficultés qu'on pouvait avoir autrefois, c'était la difficulté terminologique. Mais aujourd'hui, on peut trouver à peu près tout. Moi, j'ai fait une petite analyse de la traduction d'auteurs québécois en Italie et en Espagne. J'ai été assez désolé de voir que très souvent, beaucoup d'expressions québécoises ne sont tout simplement pas comprises, elles sont traduites n'importe comment. En italien, un auteur québécois, il fait beau en titi. Titi, ça veut dire beaucoup. Et puis pour eux, ça ressemblait à petit, donc il faisait un petit peu beau. Donc c'est pas difficile aujourd'hui, on n'a qu'à faire titi sur Internet, puis on va voir ce que ça veut dire. C'est vrai pour à peu près toutes les variétés linguistiques du français, de l'espagnol ou de n'importe quelle autre langue. L'espagnol peut-être est plus complexe parce qu'il y a tellement de variétés, mais on peut trouver tout ce qu'on veut en terminologie chilienne, uruguayenne ou bien péruvienne sur le net. Mais qu'est-ce que vous pensez de quand même cette... même si on trouve le sens de titi ou de quoi que ce soit d'autre, on pense en espagnol à la variété des termes pour décrire les fruits et légumes en Amérique latine, c'est quand même assez impressionnant. Hein? Un avocat, ça se dit 10 manières en Amérique latine. Il faut
melon d'eau, je ne sais trop. Alors, ça, c'est facile, on va trouver la réponse. Mais qu'est-ce que vous faites avec quand même la couleur de ça dans un roman, dans un poème? Qu'est-ce qu'on fait avec cette touche qui nous fait, quand on lit dans l'original, nous comme lecteurs, traducteurs, qui nous fait nous dire, ah ouais, évidemment, nous sommes dans tel pays, nous sommes dans tel quartier, nous sommes dans telle réalité, ça nous fait plaisir, on s'y retrouve, on reconnaît, si on connaît l'endroit, ben, on a même une affection, si on ne le connaît pas, ben, on peut finir par développer une affection par la lecture. Hein. Le traducteur de Proust en Chine, après... dit roman de Proust, il commence peut-être à sentir vraiment Proust, comme s'il vivait à l'époque de Proust en France. Bon, bref, qu'est-ce que vous faites avec cette couleur locale au moment de traduire des Cubains, des Vénézuéliens, surtout un poète cubain qui parle de la rue, qui... J'ai toujours cet embarras, dans quel français je vais essayer de reproduire ça, dans quel niveau de langue. Je n'ai pas envie de faire quelque chose de québécois. Il y a une affinité. J'ai traduit des Mexicains. C'est vrai qu'il y a beaucoup. On nous appelle Los Latinos del Norte. Il y a des liens Mexique-Québec. C'est vrai. On traduit beaucoup de Mexicains ici. Il y a beaucoup de Mexicains qui traduisent surtout de la poésie québécoise. Et on fait des tables rondes. Et puis on se retrouve. On a une certaine affinité. On partage entre autres le fait que estamos muy lejos de Dios, pero muy cerca de Estados Unidos. C'est une réalité qu'on partage, les Québécois et les Mexicains. Mais comment rendre cette couleur locale quand on traduit? Moi, j'ai toujours pas de réponse satisfaisante à ça. Et plus encore, quand on a un auteur, je sais pas moi, Héctor Bianciotti, qui écrit en français, puis on reconnaît son espagnol derrière, ou Saint-Brun, on reconnaît son espagnol derrière. Mais si on le traduit en espagnol, c'est encore impossible, d'autant plus, mais en italien, en anglais, comment on garde ce relent, cet autre lui qui est là juste derrière? Moi, c'est un drame, là, que je n'ai pas réussi à régler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane. Je pense qu'effectivement, là, ça montre bien que si les théories de traduction peuvent être intellectuellement intéressante à lire, dans la traduction même, ça n'apporte pas de solution, et que c'est vraiment l'expérience et le cas par cas qui va fonctionner dans ce cas-là. Je pense que c'est vraiment comment ça va fonctionner en français, qu'on est parfois confronté. Ça me rappelle quelque chose, je ne sais plus qui disait que dans les premières traductions Faulkner, dans des dialogues, on avait l'impression d'entendre parler des paysans normands. Bon, donc il faut essayer d'éviter parfois... Ça rejoint un peu ce que je disais sur la perte, quoi. Il y a forcément des choses qui vont se perdre. Alors, s'il y a des dialogues très argotiques, moi, je sais pas, je vais avoir tendance à utiliser un argot. Et ça dépend, des fois, ça va fonctionner. Des fois, non, si tu utilises un argot comme on utilise en France, bon, parfois, tu sens que ça fonctionne. La fois, tu sens que ça ne fonctionne pas. Donc, tu vas gommer un peu et trouver peut-être une familiarité un peu plus loin, dans une autre façon, pour redonner cette ambiance. Il y a aussi, par exemple, le cas des... Ça m'arrivait dans certains poèmes où il y a beaucoup de noms d'arbres, d'oiseaux, de fruits, comme tu disais, qui sont pas... qu'il n'y a pas de traduction. Ou parfois, moi, j'aime bien passer par le latin, parce que parfois, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, un arbre. Je pense à un poète, Leopoldo Castilla, qui est un poète argentin, qui est très proche comme ça de la nature, etc. Donc, j'ai traduit plusieurs livres, mais parfois, je passe un nom, je ne connais pas du tout cet insecte, tout ça. Alors je passe par le latin, je vois son français, puis je vois comment ça sonne, parce que parfois en français ça sonne tellement d'une façon horrible dans le poème que alors, des fois je me dis pourquoi même pas changer l'oiseau, quoi, si c'est quelque chose qui est proche, mais ça va sonner, et puis ce nom-là n'est pas d'une importance vitale dans le poème ou des choses comme ça. Donc je pense qu'on s'adapte. La traduction, c'est aussi une bonne école d'apprentissage, d'enseignement. On apprend constamment en traduisant aussi. Et puis voilà, donc on va. Tout le défi, c'est bah, de ne pas être rigide, essayer de s'adapter, qu'à chaque fois, suivant le poème, le texte. Bon, voilà, pourquoi pas même laisser des mots en espagnol, parfois, pour que ça rentre. Par exemple, je pense la arepa ou la empanada, quoi, c'est des nourritures comme ça, très, très courantes en Colombie. Quand j'ai traduit un roman d'une Colombienne, j'avais décidé de laisser empanada, arepa, parce qu'après tout, on comprend dans le contexte. Et pourquoi pas entrer culturellement de nouveaux mots aussi dans la langue, ça peut être intéressant que ces nouveaux mots-là, comme d'autres mots, sont entrés dans la langue française de toute façon que d'autres langues. Bon, je pense que le lecteur, à partir du moment où le lecteur, même s'il a une petite
un doute sur la signification. Dans le contexte, on comprend pourquoi ne pas le laisser des mots en espagnol. Il y a aussi toujours comment traduire les noms de rue, Calle Carrera. C'est toujours, on se demande toujours si on doit le traduire. Ça sonne toujours un peu bizarre en français. Bon, je me dis pourquoi pas non plus à petite dose faire rentrer des mots d'espagnol qui pourraient rentrer un petit peu dans le langage français quand ils sont culturellement, quand il n'y a pas de traduction et que culturellement, ce sont des mots forts pour ces pays ou pour ces langues-là. Je me souviens que j'avais traduit Bioy Casares et qu'il avait un jour, ses textes avaient fait allusion à cet arbre typique de l'Argentine qui s'appelle le quebracho. Bon, moi, sur le coup, je ne savais pas ce que c'était. Je découvre, je vois un dessin du quebracho. Et puis là, j'ai mis une note en bas de page. René serait horrifié, il a bien raison. Parce que c'était complètement absurde comme décision. Je revois cette note en bas de page et je n'en dors pas la nuit parfois. Tout ce qu'il parlait de quelqu'un qui tenait una cara de quebracho. Enfin, tout ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait un visage noueux qui était le quebracho, quand on le voit, il est tout comme ça. Mais il ne s'agissait pas de mettre une note en bas de page pour dire arbre de l'Amérique latine, surtout du cône sud, qui est un peu noueux. C'est ridicule. Il fallait plutôt travailler le texte pour dire, peut-être même, comme vous le dites, laisser un peu de couleur locale, laisser le mot quebracho et peut-être trouver un adjectif, ce quebracho noueux. Et puis là, tout le monde a compris. Le lecteur n'est pas fou. Il peut reproduire un peu, il peut faire un bout de chemin lui-même. Hein. Enfin, bref. On a comme ça des tares hein, qui nous suivent toute notre vie. C'est pas le personnage de Netty que j'ai supposément assassiné qui me dérange. Au contraire, ça m'amuse. Mais ma note en bas de page pour le quebracho, ça ne m'amuse pas du tout. Bref, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous sentez que vous perdez quelque chose quand un Vénézuélien, un Cubain arrive avec quelque chose, puis vous n'avez rien, vous n'avez pas d'outils? Oui, alors, bien sûr, il y a l'acceptation de la frustration, c'est essentiel. Non, je rejoins là aussi Stéphane et ces histoires d'arbres et celles que vous venez de raconter aussi, parce que j'ai eu exactement la même expérience que lui sur un Cubain, sur Padre, là aussi. Qui est dans, je ne sais plus lequel, je crois, le premier que j'ai traduit, sur plusieurs pages, la description d'un jardin cubain, avec des dizaines et des dizaines, et vivre à La Havane ne m'aurait pour le coup servi à rien, sinon que j'aurais pu avoir des images et choses en question, mais j'ignorais évidemment complètement, j'aurais ignoré pareillement leur nom en français. Et moi aussi, je suis passé par le latin, et c'était très, très amusant de passer par le latin, parce que c'était comme ça, des tiroirs qui s'ouvraient, qui se refermaient, et évidemment que, du coup, les noms d'arbres que j'ai mis, dont certains d'ailleurs, j'en ai gardé en espagnol quelques-uns, je n'ai pas voulu toujours tout traduire, enfin, ça c'est de la cuisine, enfin, mais cette histoire du latin, oui, c'est amusant, et couleur locale, non. Non, le nom scientifique, et puis après… Non, le latin, ça ne fait pas très couleur locale, ça quand même. Quand je trouvais… Non, mais alors, on ne mettait pas les noms en latin, mais quand je retrouvais non. Que tel arbre de la même famille là, en latin que celui de Cuba, on le trouvait aux Antilles, à la Guadeloupe, à Martinique, alors je disais, bon, ben alors là, je peux y aller, et peut-être que je me trompais, mais ça n'a évidemment aucune importance. Donc, ouais. Bon, voilà, sur les traductions. Non, oui, sinon, sur la frustration sur le fait de… bien sûr qu'il faut garder et l'idée qu'on peut même introduire des mots en espagnol et que… je pense que derrière ça, il y a une idée de la traduction qui est… j'ai toujours pensé que cette histoire de… cette phrase qui a l'air totalement bateau… de traduttore, traditore, le traducteur traître et tout. Elle n'a pas grand intérêt en soi si on entend le traducteur n'arrive jamais tout à fait, évidemment, donc cette frustration dont on parle, bon, tout ça on le sait. Mais moi je l'entends autrement, alors je ne sais pas si je me dis c'est moi qui l'ai entendu autrement, peut-être que je l'ai lu aussi et que je suis persuadé que c'est moi qui ai trouvé ça tout seul, mais j'ai toujours pensé que cette histoire de traître, on est traître à sa famille, on est traître à ses amis, on est traître à son pays. Et quand on est traducteur, on est traître à sa langue. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on traduit? C'est qu'on est tombé amoureux de l'autre, évidemment. Je veux dire, sinon, on ne traduirait pas. Et donc, évidemment que cette trahison, il faut l'assumer aussi. Et l'assumer, ça veut dire non pas faire comme si c'était du français, mais
faire entendre que c'était bien une autre langue et que, cette, voilà, et que quelque chose de cette étrangeté subsiste. Donc moi, pour le pire compliment qu'on peut me faire une traduction, c'est quand on me dit « Ah, c'est très bien, ça coule », on dirait que ça a été écrit en français. Ben non, c'est pas le but. C'est pas le but. Donc voilà, donc c'est, je pense que pour essayer de bien traduire, il faut savoir bien trahir, voilà, il faut l'accepter. Vous dites dans des mots de praticien ce que Antoine Berman disait dans ses mots oui. Plutôt de théoricien. Oui, hein, j'ai tiré ça de Berman en fait, mais C'est concret comme vous le dites bien. En fait, c'est assumer la perte, pour reprendre le mot de Stéphane de tout à l'heure. Hein, vivre et sublimer, même, je ne sais pas, peut-être même créer quelque chose à partir de cette perte-là. Hein, il y a quelque chose. Bon, on n'a pas le choix, mais il n'y a pas que ça. On peut faire autre chose que d'en souffrir. On peut se propulser à partir de cette perte-là. Écoutez, le temps file, j'aimerais vous amener sur un terrain un peu différent que de celui de la pratique véritable de ça, mais sur un point un peu plus sociologique, sans entrer dans les grands concepts, là, mais qu'est-ce que vous pensez qui est notre rôle, à nous, traducteurs de l'espagnol, de littérature, roman, essai, poésie, le cuento, la nouvelle, qui est tellement importante en Amérique latine. Nous, au Québec, c'est grâce à l'Amérique latine que plein d'écrivains québécois se sont mis à écrire des nouvelles, parce qu'on s'est mis à traduire les latino-américains, puis si les Québécois se sont dit, tiens, on s'y retrouve, nous aussi, on a envie de faire ça. Ça a vraiment eu un impact dans la société et dans la culture littéraire de chez nous que de traduire des latino-américains, surtout les nouvellistes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre rôle comme moteur, comme façon d'amener une culture comme l'immense culture latino-américaine et espagnole dans le monde francophone? Est-ce que vous pensez que ça marche? Est-ce que vous pensez qu'on réussit? J'ai une étudiante qui avait travaillé sur la traduction espagnole des auteurs maghrébins francophones dans les grandes maisons d'édition de Madrid et surtout de Barcelone. Et puis, je me suis rendu compte, et dans sa thèse, qu'au fond, les traductions espagnoles exotisaient ces auteurs maghrébins, je parle de maghrébins qui écrivent en français, non pas en arabe, en mettant des couvertures avec des chameaux, alors qu'il s'agissait de thématiques extrêmement modernes, ou Tahar Ben Jelloum présenté et traduit, ce qui est encore pire, de façon très exotique, mais pas exotisante au sens d'ouverture à l'étranger, là, vraiment exotisante au sens de on transforme tout ça pour en faire quelque chose d'un peu folklorique. Alors là, c'est un exemple vraiment de manipulation du texte qui ne va pas du tout dans le sens de ce que l'on souhaite. Mais il y a quand même un rôle beaucoup plus positif, celui d'amener une culture vers une autre et puis de faire connaître souvent la dominée ou la minoritaire ou la plus petite. Là, je prends mon chapeau de peine de club et d'amener ça vers les autres pour leur dire, écoutez, il se passe des choses là-bas. Là, ce serait bien que vous portiez attention. Alors, est-ce que ça importe pour vous, cette réalité sociale, ce rôle-là, où vous êtes plutôt vraiment dans le corps du poème et du roman, sans trop penser à ces aspects-là? Disons que... Oui, Stéphane. Je ne pense pas que... Enfin, comment dire? Disons que si les traducteurs sont des traîtres, nous sommes des traîtres nécessaires. Mais il faut être modeste, on est vraiment comme des passeurs. Au moment de traduire, je pense qu'on ne pense pas à toutes ces questions-là. Mais effectivement, de toute façon, on a quand même une responsabilité. Mais cette responsabilité, elle est quand même d'abord liée au texte et à l'auteur qu'on traduit plus que d'autres choses au-delà. Après, c'est vraiment, effectivement, comme on est des passeurs pour essayer d'enrichir les imaginaires, de montrer la différence et la complexité du monde, mais ce n'est pas une volonté de montrer ça, c'est juste en s'ouvrant sur les autres zones du monde, penser qu'on n'est pas le centre seulement du monde, qu'il n'y a que des centres partout, au final. Et c'est un rôle, il faut le voir aussi de façon assez modeste, juste un peu un rôle de passeur, et que ce rôle de passeur, il faut essayer de le faire le plus honnêtement possible. Ceci dit, c'est vrai que ça implique, quand on y pense après au-delà, c'est ce que disait Barbara Cassin, que traduire, c'est quelque chose de politique. Pour elle, elle le voyait comme un éloge, une façon qu'elle disait que c'était sa seule façon pour elle de s'engager politiquement, c'était de traduire. Donc effectivement, on peut voir cette dimension
Mais je pense que ça, la responsabilité première, c'est quand même celle de par rapport au texte. Par rapport au texte qu'on va, et après, il y a toutes les implications qu'il y a derrière, mais je pense que c'est avant tout ça. Ça vient en deuxième plan. Pour vous, en tout cas, ça viendra en deuxième plan. Oui, je comprends très bien. Donc, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est là, mais qu'on n'a pas. Ça fait partie de. Comment il y a cette responsabilité, cette conscience de qu'on peut pas, enfin voilà, de mettre son texte dans une autre langue et que ça. Si il y a une honnêteté de départ par rapport à ça, avec toutes les infidélités dont on parlait pour justement recréer un texte qui fonctionne dans ta langue et faire bouger ta langue, etc. C'est quand même d'abord ça. Après, à travers ça, il y a d'autres implications. Mais je veux dire, c'est quand même pas ce à quoi on pense au moment où on a les mains dans le cambouis, quoi. On a les mains dans le texte. Peut-être même que ce serait risqué que de traduire en pensant d'abord au rôle social qui est le nôtre dans cette opération-là, plutôt que de vraiment se plonger dans l'activité de traduction. C'est sûr qu'on voit des traductions qui se font dans un contexte vraiment plus politique et social, et des fois, ça paraît. On dirait que c'est pas l'aspect littéraire qui a dominé, c'est l'aspect politique, celui de faire connaître, par exemple. Nous, on a des ententes Québec-Catalogne, par exemple. Bon, c'est très bien, c'est signé par les gouvernements, c'est très politique, nationalisme de chaque côté et tout ça. Puis je regarde parfois le résultat de ces traductions, on dirait que c'est fait par des fonctionnaires. Excusez-moi, là, mais c'est subventionné, c'est très bien, il faut quand même vivre, les traducteurs, on a besoin de vivre, mais à un moment donné, à force d'enrober tout ça de politique, on s'éloigne peut-être de ce dont vous nous parlez maintenant, c'est-à-dire le véritable travail du traducteur, c'est-à-dire de mettre la main dans l'œuvre, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, René? Non, ce que je pense, c'est qu'en fait, on parle de deux langues qui sont des langues monde et pas des langues pays, c'est-à-dire le monde francophone et le monde hispanique. Et alors, c'est très intéressant, cette histoire de traduction, parce que, d'une certaine façon, on est, oui, des passeurs, et on peut avoir un rôle, d'une certaine façon, politique, oui, c'est vrai, parce que, moi, ce qui me frappe, c'est que, j'ai pas vérifié, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai la sensation qu'il y a beaucoup plus d'auteurs latino-américains publiés en France qu'en Espagne. La plupart des auteurs que j'ai traduits, pas tous, enfin, la plupart, une bonne partie des auteurs que j'ai traduits, et dont certains livres absolument majeurs, magnifiques, essentiels, sont inconnus en Espagne, n'y ont jamais été distribués. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce phénomène qu'on connaît bien aussi avec le français et le rapport de la France aux autres pays francophones, et c'est du même ordre. C'est-à-dire que, donc, en tant que traducteur, on est privilégié parce que justement on fait venir les autres et je pense que vous pourriez dire évidemment des choses équivalentes sur le rapport entre la France et le Québec et la Belgique et la Suisse et tous les pays du Maghreb et puis, etc. Donc voilà, on est à un moment et de ce point de vue-là, oui, il y a un rôle politique de la traduction qui me semble essentiel. Voilà. Et il y a aussi le fait que je pense que vous êtes plutôt une exception, vous, mes jolis cœurs, parce que des traducteurs québécois publiés par des éditeurs français, je pense qu'il y en a tellement. Il y en a, heureusement, mais alors, je suis persuadé qu'il existe évidemment de très grands traducteurs au Québec, mais surtout qu'il y a des traductions déjà existantes qu'on pourrait parfaitement republier dans des maisons d'édition françaises et qu'on ne republie pas pour des raisons qui me semblent en général de très mauvaises raisons. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt ces rapports. Et là, il y a de la politique, effectivement, et de la géopolitique et des tas de choses. Mais c'est vrai qu'en tant que traducteur, heureusement, on n'est pas des. On ne travaille pas pour l'Institut culturel catalan, là, on n'est pas des militants de la cause indépendantiste ou je ne sais pas quoi. Donc, on est dans une situation relativement confortable de ce point de vue-là. Voilà. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de convaincre M. Bourgois, mais ça n'a pas été difficile. C'est un concours de circonstances. Il était content de voler les droits à Gallimard pour Onetti. C'est Carmen Balcells qui m'avait mis sur cette piste. Et puis, je suis arrivé au bon moment, simplement. C'est tout. Sinon, effectivement, ça aurait été difficile pour un jeune traducteur québécois comme j'étais.
d'arriver à cogner à la porte de M. Bourgois à propos, j'ai quelque chose à vous proposer. Pas sûr. J'arrivais avec l'imprimatur de Mme Balcel, ça m'aidait, puis juste au bon moment où, dans les guerres entre les maisons d'édition françaises, j'arrivais là. Mais c'est vrai que c'est très, très rare. Mais par contre, pour revenir à la question des auteurs latino-américains moins connus en Espagne, il ne faut pas oublier quand même qu'une grande majorité d'entre eux ont été justement sous l'aile de Mme Balcells et ont été publiés à Barcelone. Parfois, la majorité, non. Non, oui, non, c'est les grands du boom, effectivement, oui. Où il y avait des sous à faire. Mais j'ai déjà vu des auteurs qui me disaient « Ouais, j'ai été publié en Espagne, mais même pas chez moi. » Ben, là, c'est le monde à l'envers, quand même. Oui, oui. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent dans l'autre sens. C'est sûr. Ils sont publiés par des maisons d'édition espagnoles, mais dans leur pays, et ces maisons d'édition qui appartiennent à des groupes multinationaux ne distribuent pas les livres des filiales latino-américaines. Ils ne les distribuent pas, tout simplement. On ne les trouve pas. Et même vous allez dans une librairie, il y a des dizaines de livres que j'ai traduits et qui sont introuvables à Madrid. Oui, tu dis, mais même c'est pire, c'est que, par exemple, si Planeta publie un auteur colombien, c'est Planeta Colombie, il n'est même pas distribué au Mexique ou au Pérou. Oui, et par ailleurs, il y a les problèmes intra-Amérique latine qui sont encore, bien sûr, absolument. Même chose avec les traductions faites en Amérique latine. Toutes les traductions dont je vous parlais tout à l'heure d'auteurs québécois qui sont faites au Mexique ne sortent pas du Mexique. Ils sont surtout distribués par Conaculta. Et puis, Conaculta, c'est formidable. Ils ont un réseau de distribution merveilleux au Mexique, mais c'est une entité étatique mexicaine. Donc, ça ne sort pas du Mexique. Alors, c'est quand même tragique de penser qu'un continent comme l'Amérique latine, on ne peut pas lire les Colombiens en Argentine, on ne peut pas lire les Péruviens, même en Équateur. C'est vrai, c'est absurde. Énorme problème, et d'autant que c'est les mêmes maisons la même maison mère, et que donc, si on peut les lire, c'est parce qu'ils ont été publiés en Espagne. Alors, ceux qui ont été publiés en Espagne, qui ont eu l'imprimatur à Barcelone ou à Madrid, alors ils peuvent revenir dans les autres pays d'Amérique latine. Mais cette de distribution directe, il n'y en a pratiquement pas, sauf des cas très particuliers, des petits réseaux, heureusement. Évidemment, il y a des petites maisons d'édition dans les pays qui essayent de travailler en partenariat. Ça, voilà. Mais tout est à construire même. Oui. Écoutez, pour finir, je voulais vous dire que je suis en train de lire un livre qui a été écrit par la Carmen Balcells allemande, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Michi Strausfeld. Bon, je ne lis pas l'allemand, je le lis en traduction espagnole, ça vient de sortir, il s'appelle Mariposas amarillas y los señores dictadores. América Latina narra su historia. Alors, c'est une bonne brique, là. Et puis, enfin, j'ai été obligé de le commander d'une librairie en Espagne, parce que j'essaie d'éviter, dans la mesure du possible, Amazon et autres. Et c'est fascinant. Alors, elle a connu à peu près tous les auteurs latino-américains depuis 50 ans. Elle raconte donc à quel point ces auteurs racontent l'Amérique latine. Et je me rends compte que nous, on n'a pas ça, la plupart des pays européens n'ont pas ça. C'est vraiment, bon, j'aime pas trop le concept du boom, mais c'est quand même le résultat de ce boom qui a été un peu créé à Barcelone, justement, par Carmen Balcells et ses amis. Mais il n'en reste pas moins que ça a donné des auteurs qui incarnent leur continent. On n'a pas, dans la plupart des pays, des García Márquez, des Paz, des Fuentes, des auteurs comme ça, des Vargas Llosa qui deviennent presque présidents de leur pays, qui incarnent leur continent, qui deviennent finalement les porte-parole. On aimerait bien au Québec avoir des écrivains qui sont associés comme ça à l'âme du pays. Alors, elle raconte ça, c'est fantastique de lire son livre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand on traduit comme ça des grands auteurs ou même des auteurs qui ne sont peut-être pas si connus, mais qui représentent quelque chose dans leur pays, qui sont reconnus par la population, moi, ça me fascine, je suis un peu jaloux. Je me dis, mais comment ils ont fait? Comment ils en sont arrivés là? Puis en plus, on sait bien qu'il y a plein de gens qui ne lisent même pas en Amérique latine. Le taux de lecture est quand même pas très élevé, le problème d'instruction, etc. Et malgré tout, ces personnes ont réussi à devenir des espèces de monstres sacrés comme rarement on le voit dans d'autres pays, même dans la vieille Europe où la culture est quand même bien plus développée que chez nous, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rôle de l'écrivain dans la cité? Non, on pourrait demander à Michel Houellebecq de se présenter aux élections présidentielles, peut-être. Est-ce que ça vous frappe au moment de traduire que vous avez peut-être un rôle
différent puisque vous traduisez comme ça quelqu'un qui. En tout cas, moi, quand je traduis un auteur, je ne sais pas, Bioy Casares, honnêtement, c'est un peu particulier, mais Bioy Casares, pour moi, c'était comme l'incarnation de l'Argentine. Alors, j'étais impressionné. Il n'y a pas d'équivalent chez nous, ici, de traduire un personnage comme ça. Si j'avais eu la chance de traduire Borges, c'est comme si j'avais marché, je ne sais pas, dans quelque chose de sacré. Et, je ne sais pas, est-ce que c'est intéressant pour le traducteur ou ça peut peut-être même le bloquer? Je me demande. Je ne sais pas, sur les grands auteurs européens, si, quand même. Enfin, c'est pas, le rapport aux écrivains n'est pas le même, les histoires ne sont pas les mêmes. On trouverait quand même, je ne sais pas, Umberto Eco, Oui, en Kundera, France aussi, il y a des... Heinrich Böll, je ne sais pas, il y en a, je veux dire, bien sûr qu'il y en a et qui ont une projection et qui racontent l'Europe. Donc, même Houellebecq, d'ailleurs, d'une certaine façon, pour revenir à lui, je veux dire. C'est un auteur européen, en fait, qui raconte l'Europe, en tout cas. sa façon, quand même. Oui, tout ce qu'on voudra, mais les lecteurs des différents pays ne s'y trompent pas. Mais on pourrait dire la même chose de Mankell et de toute cette littérature-là, qui est évidemment une littérature très importante, de même que Simenon est un auteur européen et universel. Incroyable la popularité de Simenon auprès des écrivains latino-américains que je traduis. C'est le nom qui arrive presque en premier. Enfin, donc, je veux dire, les figures comme ça, continentales, si elles existent aussi, c'est vrai que le rapport aux écrivains, aux intellectuels est sans doute différent, mais. Voilà. Ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on va nous taper sur les doigts bientôt. Et puis en plus, René va aller dormir bientôt à son heure madrilène. Oui. Ça a été extrêmement intéressant de vous parler. Je pense qu'on pourra en parler encore bien longuement. La traduction, hein, c'est souvent le parent pauvre des tables culturelles dans les salons du livre, etc. Mais finalement, quand j'y vais dans ces salons, quand on pouvait encore se rendre physiquement dans les endroits, moi, c'est toujours les tables que je trouve les plus intéressantes parce que justement, les traducteurs souvent sont plus modestes, ce qui est déjà pas mal. Et puis, ils sont à la fois toujours écrivains, parce que traduire, c'est écrire. Ils sont d'excellents lecteurs, parce que traduire, c'est lire. Alors, en fait, ils combinent toutes ces activités-là. Alors, je trouve que les traducteurs sont toujours plus intéressants que les je prêche pour ma paroisse aussi. Alors, je pense que c'est bien dans un festival comme celui-ci d'avoir donné un peu une place d'honneur à la traduction. J'ai été très heureux de pouvoir animer ça avec vous deux, René Solis et Stéphane Chaumet. Ça a été fascinant de vous écouter. Alors, merci Merci. et au Merci beaucoup. plaisir. Merci à vous. Merci, ciao. Ciao.